Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour parler de cuisine La Réunion, cuisine notre pays, la cuisine facile traditionnelle que nous fait ici. Nous va faire aujourd'hui des ailes de poulet avec de la tomate. Il va falloir nous des oignons que nous coupe en petits cubes comme d'habitude. Hein. Et puis il faut nous aussi des tomates. Pour le poulet, il faut nous environ 700 g d'ailes de poulet, il faut nous 4 tomates bien mûres environ, il faut nous un gros oignon, du sel, de l'ail, poivre, des queues de coriandre, il faut nous du girofle, il n'est pas obligé, 4 épices non plus, il n'est pas obligé, si vous aimez bien épicé, vous aimez mettre tout ça, il faut nous de l'huile de friture, sans oublier le curcuma. Donc, nous va mettre la marmite à chauffer bien chaud, et nous va faire revenir les ailes de poulet jusqu'à ce que vous y colore bien. Alors moi, j'utilise souvent ce carail-là pour question pratique, parce que si on utilise un marmite, en règle générale, il ne voit pas trop bien quand il frite en dedans. Donc moi, j'utilisais le carail de façon à ce que Zot il voit bien la préparation, la friture, tout ça là. Comme il dit, le wok. Alors nous, on utilise ça. Les ailes de poulet nous fait bien revenir. Et comme il parle de queue de coriandre, c'est quand vous achetez un bouquet de coriandre, vous utilisez la partie qui est dure comme le persil qui est à la queue. Hein. Donc vous coupez ça, vous mettez dedans juste après. Donc on ajoute les oignons. Il faut nous aussi du thym. Alors le thym nous ajoute ça en dedans, nous fait revenir avec, avec les oignons, les ailes de poulet. Le thym, si vous en avez un, c'est de les verts, les bons. Si vous en avez un, c'est de les secs aussi, la point de problème, c'est qu'il peut mettre aussi cette les secs. Le goût, il reste quasiment pareil, sauf que quand les frais, les affaires, les meilleurs. Il faut que la marmite l'ait bien chaud pour faire ce sauté de vol d'ailes de poulet avec des tomates bien épicées. Nous, on appelle ça la plupart du temps carry la zèle volaille. Et il y a des gens, quand ils mettent tomates dedans, ils disent, oh, c'est un rougail. Nous, on a toujours hein, des gens, ils font à d'autres façons. Hein. Par exemple, il y a des personnes, ils disent, oh, bon, ils ne mettent pas de l'ail dans une saucisse, quand ils font rougail saucisse, tout ça là. Mais après, la cuisine de La Réunion, chacun y fait à son façon. Hein. Si vous l'avez appris à faire de cette façon, on va toujours faire pareil. Là, nous ajouter les queues de coriandre dedans. La coriandre, je trouve, qui donne un bon goût à quasiment presque tous les plats. Et la coriandre est beaucoup utilisée en Asie et aussi en Inde. Alors, la coriandre, ce qu'elle est bien avec lui, si Zot fait un curry, on a tendance à sentir un petit peu le cru. La coriandre, lui, est là pour casser ce l'odeur-là. Donc, Zot peut mettre un petit peu dedans. Quand on a fini avec la coriandre, fine bien tournée, Zot ajoute les tomates. Zot ajoute aussi un peu de curcuma en dedans, le safran pays. Que nous n'en a ici et comme il dit souvent, ils vendent ça partout dans le grand commerce à petit prix, prix cassé et la qualité n'est pas au rendez-vous hein, la plupart du temps parce que c'est de la poudre. Ben, on a fini de retirer tous les principes actifs en dedans pour vendre au laboratoire pour fabriquer des produits cosmétiques ou autre chose avec ou des médicaments. Voilà. Donc c'est juste pour colorer. Si on a la chance d'avoir du curcuma frais, il trouve un bon peu dans les marchés forains, tout ça. Zot il peut utiliser. Voilà, les ailes de poulet, nous allons mettre un petit grain de l'eau en dedans parce que les tomates, des fois, elles sont un petit peu secs. Il faut un peu de sauce quand même. Hein. C'est des ailes de poulet en sauce. Alors, s'il n'y a pas la sauce, elle n'est pas trop gaillard. Voilà, la recette, elle est simple, facile à faire, la finie. M'y donne à Zot rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette et m'y rappelle à Zot. Pas toutes deux mouni cuisine pareil, chacun n'a son manière, chacun n'a son qualité rayonnée, pouffée, puis mangée. N'y retrouve.